Bonjour VOD, nous sommes de retour sur Cult of the Lamb et le chat est déjà au taquet. Je suis ravie que ça vous rende heureux et heureuse parce que ce jeu est trop bien. Alors, ah oui, j'avais fait ça. Qu'est-ce que c'est? Je peux transformer des ressources maintenant. Genre, je prends. Ah ouais, voilà, c'est ça. Je peux prendre des pépites, les transformer en PO. Je peux prendre des pièces pour transformer en fer, c'est ça? Un lingot d'or, mais ils doublent en ton lingot d'or. Et par contre, ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est en attente. J'ai mis plein de thunes pour que ça me... Ah non, non. J'ai mis plein de pépites, pas de chocolat, mais de pépites d'or, pour que ça me fasse des PO, mais c'est en cours, c'est un peu long, parce qu'en fait, il faut que quelqu'un soit dessus. Ce qui n'est pas le cas. On a fait un éventail aussi! Il est magnifique. Je vais arroser tant qu'ils font dodo tous. Et on en avait un de malade parce que c'était trop dégueu. Mais c'est bon, maintenant c'est réglé. On a du coup déjà deux morts plus un sacrifié. Donc va vraiment falloir qu'on recrute un max. Ça va être le prochain objectif de notre sortie. Et Ah non, je vais pas faire ça. Et on va aussi... Attendez, niveau bouffe, est-ce que ça va? Est-ce qu'on est bien? Alors là, si je veux cuisiner... Non. Ah non, mais c'est des trucs d'herbe, on s'en fout les trucs d'herbe. Oh, je peux faire un plat de chair d'adepte! Putain! 25% de chance d'augmenter la fidélité, 40% de chance qu'un adepte abandonne ses idées de rébellion. Mais on va faire... Oh putain, c'est trop bien! Attendez, je vais faire de la chair d'adepte! Oh là là, je peux faire... Mais oui, parce que j'ai mis cannibalisme, je crois. J'avais mis cannibalisme? Attendez, j'ai plus mes doctrines là. Où est-ce que je peux les voir? Faut que je rentre dans le temple, forcément, je crois. En tout cas, le totem, il est à 8 sur 10. Contribution. Avant de faire quoi que ce soit, j'attends qu'ils se réveillent. Parce que j'ai pas envie de les réveiller. Je pense que ça les saoule. À part à ce qui n'est pas là. Ce qui n'est pas. Voilà. Ce n'est pas très étonnant, quoi. Enfin, j'ai eu ces vieillissants. Mais oui, regardez, j'ai que des vieux là. Oh, alors qu'on améliore ça. Monia, monia, monia. Il n'entre pas, c'est assez austère. Nous avons besoin de plus de beauté. Nous faisons des jolies décorations. Oui. Évidemment. C'est la prio. Ah, voilà. Kusake qui est en train de me faire de la thune. Ce que j'apprécie fortement. On va crafter un peu de déco. Du coup, on va faire cette mission. J'ai pas du tout de quoi, hein, évidemment. Si, j'ai de quoi. Oh, je peux faire le truc Twitch. Oh, je peux faire les trucs Twitch, évidemment. On va faire un magnifique étendard Twitch. Dès qu'on arrive là. Ah, je peux pas faire plus loin. Oh, bah là. Oula, on le verra mieux, là. Ou alors... Ah, mais ici, j'ai peur de devoir construire des trucs. Alors que je sais que près de l'entrée, je ferai pas grand-chose. Toute logique, hein. Mettre par là. Voilà. Est-ce que si je fais une seule déco, ça va? Non, non, pardon. Et on va faire le sermon. Merci pour la contribution. Cannibalisme CRP. Mais il suffit, c'est bien. Non, mais je veux l'aider. Bon, bah, c'est le même PM touche pour interagir et aider. Du coup, ça... à construire, voilà. Voilà, est-ce que ça va? J'ai fait une seule déco. Est-ce que ça va suffire à Talmir? Non, j'ai pas l'impression. Mais je vais quand même le bénir, le petit Talmir. Putain, Fernalou, il est tout vieux lui aussi, c'est pas possible. C'est une épidémie la vieillesse. Mais non, donne sa régression de la chair. Oui, bah c'est... Oui, c'est vrai que c'est... C'est vrai qu'il fallait un petit peu le calmer. Mais c'était le premier grision, j'ai deux grisions. J'en ai un que j'avais fait moi-même et un que... Bah voilà, qui était dû au truc aléatoire. Y'a pas assez de déco, bon c'est pas grave. On va faire ça. Je vais voir mes doctrines parce que là je sais plus où j'en suis. Au-delà. Croyance en don de soi. Ah oui, pour le sacrifice. Normal. La bouffe. Cannibalisme. Oui, j'avais mis la croyance cannibalisme, mais c'est super. Ok, trop bien. On va faire un petit sermon. Oh, ils ont tout plein de trucs dans les mains. Regardez, j'ai plus personne. Oh putain, vite. Je vais vite me barrer chercher des adeptes, là c'est pas possible si pour.
Oh non, je peux faire une nouvelle... Eh oui, on peut faire une nouvelle doctrine. Alors, l'au-delà ou la richesse? La richesse, tiens. Ça m'interpelle. Alors, croyance matérialiste, je vous lis, désolé, je suis dessus. Tous les membres du culte gagnent la croyance matérialisme. Les adeptes gagnent de la foi lorsqu'ils profitent des meilleurs abris. Ça, c'est bien parce que je leur en ai mis des biens. Fausses idoles. Tous les membres du culte gagnent croyance aux fausses idoles. Les adeptes gagnent plus de foi lorsqu'une décoration est placée dans la base. Je vais peut-être faire ça plutôt. Je vais peut-être faire ça parce que je viens juste de placer une déco. Et ça me donnera une excuse pour foutre plein de déco et dépenser toutes mes ressources en décoration. Je vais faire ça. Sacrifie-moi. Écoutez, là j'ai plein de gens à sacrifier mais pas beaucoup pour bosser. Parce que le problème c'est quand ils sont au stade où ils sont tout petits, tout vieux là. Attendez, je peux faire quoi là? Eh ben ils travaillent plus. Oh oui, résurrection. Permet de ressusciter en sacrifiant un adepte En sacrifiant un adepte. Moi, je ressuscite en sacrifiant un adepte lorsque je meurs. Putain, il y a des trucs comme ça. Manger à plat une fois par jour pour recevoir ça. Ah ouais, je peux mettre... D'accord, ou je peux avoir des nouveaux équipements, mais c'est incroyable. Vêtements nobles, dignes de vous. Moi, je veux un vêtement mieux. Vous infligez plus de dégâts pour chaque ennemi tué. Effet réinitialisé lorsqu'un ennemi vous attaque. Subissez deux fois plus de dégâts. C'est évident, ça. Vous octroyez un cœur corrompu lorsque vous entrez dans un donjon. C'est bien, ça. Concentrez-vous dans un donjon pour retourner instantanément à votre base. Ah, ça peut être trop pratique, ça, quand je farm. Après, est-ce qu'il y a une pénalité? J'espère pas. Attendez, faut que je prenne un truc. Ressusciter en sacrifiant un adepte. Pour le moment, de toute façon, c'est pas la prio parce que j'ai pas assez d'adeptes. Manger un plat une fois par jour pour recevoir un cœur. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Oh, le retour à la base, c'est bien quand même. Où le cœur corrompu à chaque fois que j'entre dans un donjon? J'ai rien à faire. Allez, ça. Vous avez débloqué un nouveau pouvoir de la couronne. Vous obtiendrez désormais un cœur corrompu au début de chaque nouveau donjon. Les cœurs corrompus infligent des dégâts à tous les ennemis de la zone lorsqu'ils vous attaquent. Eh oui, c'est comme dans Isaac. Trop bien. Ok, est-ce que je peux faire un rituel? Un petit sacrifice là. Faire un rituel du feu de joie, on s'en fout. Les adeptes ne mangeront plus pendant 3 jours. Ça va ordonner à des adeptes de se battre jusqu'à la mort. Au moins, bien sûr, que vous désirez de faire preuve de clémence. Moi, je veux un sacrifice, fais attendre que ça se recharge. Quoique, je suis pas obligée d'attendre après. Hein. Ah, mais si, j'ai pas d'os. Ouais, non, mais voilà. Et ben, tchuss! Ah, plus qu'une contribution au totem. Je vais leur faire un peu à bouffer. Oh, attendez, non, 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 ils sont pas bien, là, c'est tout dégueu. Oui, voilà, vous me faites tous caca en même temps aussi, vous faites chier. Enfin, et puis vous chiez, du coup. Ah oui, ils ont tous vomi, là. Mais bordel, pourquoi? Il y avait un caca et du coup, tout le monde vient vomir à côté de ce caca. Ah, c'est peut-être parce qu'ils ont mangé de la chair de congénère. Un deuxième, ça. Attendez, faut que je récolte et que je fasse un petit peu à bouffer. Et après, on va se barrer. On va se barrer pour chercher un peu des adeptes, là. C'est plus que nécessaire. Peut-être pas récolter aussitôt, celui-là. Ouais, il m'a pas donné de graines. Cela me donne des graines, normalement. Oui, c'est ça. Thank you.
Voilà. Et je vais essayer Florian tout replanter. C'est pas très bien. Et là, je vais encore faire un plat. Et ensuite, il faut encore que je nettoie un ou deux trucs que j'ai vu. Il faut vraiment caca instantanément. Non, me faites pas caca juste dans les cuisines, enfin! Son couillon! Ah, tu m'étonnes que c'est dégueulasse, mais c'est pas moi qui fais caca ici, hein! Non, mais oh là! Bande de dégueux! Ok. Fallait que je mette des décos. J'en remets encore une? Moi, j'aimerais bien accomplir ma mission. Je peux mettre des chemins aussi, ça me demande rien, ça. Hein. J'en ai pas beaucoup. Je veux bien en mettre plus, mais j'en ai pas beaucoup. Je vais mettre ça, tiens. Je vais en mettre une ou deux comme ça. Au niveau des cuisines, tiens. On va éclairer les cuisines, ça sera mignon, non? Moi, je pense que oui. Voilà. J'avais pas fait gaffe. Merci pour la contribution, ça me fait du bois. Oh, ça m'en fait beaucoup. 32 de bois. J'en avais que 4. 5. Trop bien. Je vais transformer quelques trucs de bois en ça. Bon bah 5 seulement. Non, ça m'en demande 3 à chaque fois. Ah oui, attendez. Et là, est-ce que je peux invoquer quelque chose? Alors, je peux faire en sorte que l'un de vous... Kuzaki est pas mal. La cible aléatoire explose à côté de... Attends, cible un ennemi aléatoire qui explose et explose à côté de lui. Ça peut être sympa. Récupère automatiquement la ferveur. Je peux le faire. Explose à côté de lui et... Ok, mais est-ce que... Oui, c'est plus intéressant de prendre un qui a beaucoup de ferveur. On va faire ça. On va transformer un de nos adeptes en créature. Trop stylé. Allez, viens, machin. Interagir. Bon, il va venir avec moi, du coup, c'est bon? Je pense, hein. Bon, j'espère que j'ai pas fait ça pour rien. Enfin, je fais pas... Il fallait que je fabrique plus de déco. On verra ça plus tard. Là, on va faire une petite explosion dans un donjon. Ah oui, on peut. Oh, waouh. On peut faire d'autres trucs maintenant, en plus. Qu'est-ce que c'est, ça? Raksha, bonjour. J'ai tant de bouches à nourrir, tu aurais déjà besoin de graines. Bonjour, papa. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec les kids. Le culte regorge de petits adeptes qui crient famine. Je crois que je vais m'installer ici. Oui, c'est une idée grandiose. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Mais vite, vas-y, montre-moi ce que t'as. Ah, de la merde, ok. Merci. Ah, j'ai passé l'adepte. Oh, il m'en manque qu'un, quoi, pour écrire. Qu'est-ce que j'ai pour ouvrir un nouveau truc. Bon, bah, on va y retourner, hein. Il faut des adeptes, ça c'est clair. J'adore l'esthétique. J'ai beaucoup... C'est qui ça? Coucou, je viens du change. Attendez. Le vent du changement a soufflé, l'as-tu entendu? Le monde des guerres n'existe plus. Autrefois immobile, il est aujourd'hui en mouvement vers une ère nouvelle. Réussi à payer. La guerre fait rage entre les créatures peuplant les terres. Toutes veulent s'emparer du pouvoir. L'agneau. J'ai failli dire l'anneau. Je trouve que le texte irait très très bien dans un autre type de film. Dans un certain type de film. Salut Antémonia! Où tu vas? L'agneau ne pourra pas vaincre les monstres en colère aussi facilement. Ah, j'ai mon truc! Ah non, les ennemis sont plus féroces. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Une paire de gants acérés comme des lames de rasoir. Mais j'ai jamais testé, je prends tout de suite ça. De toute façon, j'ai pas le choix, mais voilà. Repousse déjà les ennemis. Mais pareil, ça j'avais pas. Je débloque des trucs. Allez, ça va être trop bien. Oh, je teste des trucs.
Ok. C'est officiel, c'est là que c'est la meilleure. Merci. Ah oui, il me faut aussi, pour des rituels, il me faut vachement de... En témoignage à contribuer aux totems, merci. Il me faut full... os. Pour qu'on puisse faire des... Salut Vendis. Merci. Merci pour les lettres, les miennes. Qu'est-ce que je dis? Voilà, pour faire un peu des sacrifices. Pour sacrifier mes adeptes mourants. Merde, je fais n'importe quoi. Et ben, ça serait bien que je fasse au moins un rituel. Avant qu'ils... là, ils vont crever, de toute façon, le temps où je suis là, c'est sûr. Et pour ça, il me faut des los. Ah mais non. Faut aussi attendre le chargement du rituel. On verra. Viens de là? Ok. J'ai perdu des cœurs ultra bêtement, mais je réfléchissais. Alors. Comment on a aux chances de trouver des coffres intéressants? Les maléfices consomment 25% de ferveur. J'aime bien le truc qu'on a, donc je vais peut-être prendre ça, ouais. J'ai déjà trouvé une nose. Qui c'est? Ah, je crois que c'était un Benji. Pas du tout. Ah oui, ça, je les ai tout ralentis, du coup, il fait des gestes tout longs. Grâce à la glace. Ah mince, j'ai plus de ferveur. J'ai voulu faire un coup de ferveur, j'en ai plus. Il y a des bombes qui pop comme ça? Mais c'est trop cruel. Ah, il bouge pas. Oh oui, il faut que je fasse des enchaînements. Ah oui, d'accord, c'est ça. Je faisais pas d'enchaînement. Oh ouais, l'enchaînement est bien. Avec la moule là, j'adore ça. Qu'est-ce que c'est? On a des chances de trouver des coffres intéressants. Eh ben très bien. Je prends. Déjà un coffre intéressant vu qu'il m'a donné un objet me permettant d'avoir des coffres intéressants. Coffre intéressant. Oui, un petit cœur, ça c'est quoi? Attaque tout ce qui se trouve à l'écran lorsque vous subissez des dégâts. Tout ce qui se trouve à l'écran. Moi aussi. Alors, adapte. Là, il y en a un, on y va direct. Il m'a tapé. Ah, ça interrompt. C'est bien ça. La portée que j'ai? Je pensais pas... Elle est immense la portée. Oh, c'est un hérisson mais arrondi. Avec des pics arrondis. Du coup c'est plus des pics, c'est des boules. Florian a la croyance peur de la mort. Pfff. Flippette. Il y avait des notifications comme ça sur ce qui se passait avant? Je faisais pas gaffe. C'était le cas. Ok, on secourt notre nouvel adepte. Je suis, j'aurais pas participé au totem. Ah, ça va, c'est... Bon, pas vrai, quoi. Non, non, Kuzake, tu... Oui, c'est vrai, là que ça se transforme en démon. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que tu vois la petite boule rouge là, et bah c'est toi. Mais t'es un démon temporaire, t'inquiète pas. C'est pour m'aider dans ma quête. Tu peux m'accompagner dans ma quête, n'est-ce pas? Super. N'est-ce pas le plus grand honneur?
Moi, je suis un démon, j'étais pas sage. Non, au contraire, c'est parce que tu m'as utile en tant que démon. Qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai. Ouais. Waouh! J'avais gagné une carte tarot grâce au chat Twitch. Merci! Merci beaucoup, chat Twitch, vous du truc, je tue. Ah, j'ai un boss! Merde. Attendez, je sais pas quelle voie je vais faire. Je vais faire ça, ça. J'en ai assez de toi, jeune agneau. Cette ridicule mascarade a assez duré. Ah mais non, mais c'est Leshy. Mais Leshy, je l'ai déjà tué. Ah oui, non, c'est pas cette voix alors. Mais c'est parce que j'entendais une voix chelou. Non, j'aurais dû faire une voix balèze. Ouais, je suis plus ça. Plus ça, comme ça, voilà. Ah, là c'est bien une tronche de Leshy. Déjà, j'ai déjà Leshy, j'ai déjà le boss, ça m'arrange pas du tout, moi. Remarquez, j'ai trouvé un adepte après, mais... Ah non, j'ai foncé dedans. Quel nouillant. Mais ouais, je voulais des os. Ils sont trop nombreux là. Ah, il me défonce. Je suis un peu, les trash là parce que ils sont insupportables en fait. Oh merde. Voilà. Mais celui-là, il a plus de vie, là. Stop. J'ai tué. Ouh, c'était un peu limite, j'ai galéré. Ouais. Plus solide que la boisson. Vous avez obtenu un mur de pierre. Mais j'ai pas de mur, moi. Ah si, j'avais peut-être un truc. Mur de pierre. Ok, très bien. C'est trop bien. Pas de cadavres à... Ah c'est pas une contribution. Si, il y a des cadavres. Voilà. Hérétique vaincu. Bon bah je... D'accord. Ça aurait été très rapide hein. C'est Lox la meilleure. Oh ça on le savait. C'était pas... Le but c'était pas d'expédier autant le truc mais bon. Ça s'est fait tout seul. Une fois il y a des WC publics, vaut mieux... Elle est derrière un arbre. Oui, bah là, j'ai pas le choix, je fous des toilettes parce que vraiment, ça devient compliqué à nettoyer tout ça. Porte couronne, me vénère. Non, pas ça, comme ça. Plutôt comme ça. Voilà, c'est plutôt ça. Porte couronne, ne me vénère donc pas. Ne me vénères-tu donc pas? Ne me vénères-tu? Tu me vénères, hein? Porte couronne, ne me vénères-tu donc pas? Pourquoi n'essaies-tu pas de me faire des offrandes dans l'espoir d'attirer mes faveurs? J'ai placé un coffre dans le cul afin que tu puisses y déposer mes présents.
Dans mon infime générosité, je te les transformerai en or. Utilise-les à bon escient. Cependant, tes offrandes doivent être à la hauteur de ma grandeur. Si tu m'offres le même présent plusieurs fois de suite, je te donnerai moins d'or. Fais preuve de patience, et je changerai peut-être d'avis. Et il m'avait demandé de sacrifier un gars pour lui. Je l'avais fait ou pas? Si, j'avais fait. Oui, si. Oh, je sais plus. Bon, ouais, voilà, ils me détestent tous, je m'en doutais, parce que il y a des soucis. Bon, je vais refaire un... Ah, mais voilà, parce qu'il y en a un qui est mort. Découpez la viande. Alors, on va faire à bouffer tout de suite. Non, pas ça. C'est qui est mort? J'ai même pas vu. J'aurais plus besoin d'enterrer, du coup, c'est pratique. Alors, enrôler la recrue. Hubre. Attention, ça va être à vous de jouer. Bon alors, une partie d'entre vous peut plus participer, du coup. Je sais pas si on aura des participants. Je vais voir si ça marche comme d'hab. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Plein à manger, oui. Oui, plein à manger, dont la viande de congénère. D'adepte. Rejoignez-nous. Je suis étouffée avec de l'eau. Je vais manger, j'irai plus tard. Des bisous. Bah écoutez, terminez le tirage. Ce sera donc petit Dan qui a gagné le tirage. Je suis toujours là, considéré comme mort. Oh, t'es pas mort, t'es là. C'est Grision numéro 2 qui a décédé. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Tirage difficile, un peu. J'espère qu'il y a un temps limité à la création. La chance! Ouais! Trop mignon. Alors, il a quoi? Se soigne 15% plus vite une fois au repos. Et de la fois en rejoignant le culte. C'est très bien! Salut, petit Dan, bienvenue! Oh! Mouignon. Non, va te coucher de toute façon. Oh, je laissais inoccupé. Voilà. Ok. Du coup, pourquoi ils sont tous pas contents en fait? Ah, j'ai pas vu, il y avait des trucs écrits à gauche, j'ai pas lu. Ça, McDono! Alors, là, c'est ça? Oui. C'est un mélange entre un jeu de gestion. Enfin, un mélange, un mix plutôt. Oh, ça va dire la même chose. D'un jeu de gestion, du coup, on a un culte à gérer, etc. Avec une base et des adeptes à gérer tout ça. Et après, des expéditions à faire dans des donjons. Et il y a aussi un peu toute une histoire autour de ça. Et les deux sont liés, c'est-à-dire que dans les donjons, on trouve des trucs utiles pour notre camp. Notre camp nous aide, nous donne des trucs pour réaliser nos donjons. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Mais voilà quoi. Bon, mes adeptes. Bah oui, voilà, ils ont fait caca, je m'en doutais. Par contre, pourquoi ils sont pas contents? Je vais leur faire un petit coup. Je vais les bénir tous, parce que là, ils sont... Mais je sais pas, ils étaient bien, ils étaient tous... ils avaient de la ferveur et là, ils en ont plus. Qu'est-ce qui se passe, là? Ah, voilà. Je préfère saut. Je vais pouvoir faire une nouvelle doctrine, ça c'est bien. Elles vont tous bouffer. Oh, c'est inspirer, c'est plus bénir. Merci pour le deuxième. Mon nouvel arrivant, je l'ai pas inspiré, je vais l'inspirer. Voilà. Comment ça a baissé encore? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais à manger un plat d'herbe. Oui, mais j'en avais fait qu'un aussi, il a qu'à choisir le bon.
Mais gars, celui-ci, il est où, Florian, là? Petitienne qui a la croissance cannibalisme a mangé un plat à base de chair d'adepte. C'est bien, ça! Bon, toi, faut que je te rassure. Hein. Ah non, j'ai déjà fait. Je vais extorquer, ça sera vite fait. Hein. Ok. À toi. Oh, c'était... Tout détruit. Ah mince! Ah, je reconstruis un. Ok. On va fertiliser. Ah, faut que je fabrique des décos aussi. Attendez, je vais en faire une tout de suite. Pour la mission. Je vais mettre un mur de pierre. Où est-ce que je peux mettre un mur de pierre? J'ai plein de pierres. Non. Je vais mettre derrière le truc. Mince. Voilà. Voilà, j'ai mis un mur de pierre ici, on va voir ce que ça fait. C'est considéré comme une déco? Même pas. Ah bah elle est pas construite, on va voir. Quand elle sera construite peut-être. Après on va faire un petit sermon. Oui! Qui m'avait donné la mission? Bokusake? Non. Non, tu vois, t'es là, Kusake, pas de soucis, c'est juste que voilà, je peux invoquer, je peux vous transformer en démon. Et vous avez tous des capacités différentes. Enfin tous, non. Il y a diverses capacités selon l'adepte possible, selon les adeptes. Et du coup, toi, t'avais la capacité d'exploser face aux ennemis. Donc voilà. Donc j'ai fait ça. Et qui m'avait donné? C'était Talmin. Bon, je vais l'aider. C'est long pour un mur de pierre. J'ai fait ta mission. Voilà, ça c'est fait. Bon, j'aimerais bien quand même leur construire des toilettes. On va faire ça maintenant. Ça me saoule. Alors, les toilettes. Ah, il me fallait du bois raffiné pour les toilettes. C'était ça le sous. Je vais faire tout de suite, hein. Voilà. Du coup, on va faire le petit sermon quotidien. Super, un ressource démoniaque qui explose. Mais c'est super stylé, tout à fait. Est-ce que je peux faire un petit sacrifice, là? Histoire que mes adeptes... Oh là là. Encore des nouveaux. Rituel, je peux toujours pas faire le sacrifice? Si! On va faire ça juste après. Avant, on a une nouvelle doctrine possible, donc on va le faire tout de suite. Alors, sur la mort. Repos des morts ou réveil des âmes? Ah, je peux ressusciter du coup! Rituel de résurrection. Débloque le rituel permettant de ramener à la vie un adepte mort. Rituel funéraire. Débloque le rituel permettant d'organiser des funérailles. Un adepte mort récemment et de gagner plus de 20 de foi. Ouais, mais la foi, ça se gagne facilement, hein. Enfin, avec le cannibalisme, ça va se faire facilement. Quoique, si je résurrecte quelqu'un que j'ai sacrifié... Ah, mais je pense que c'est pas possible, en fait. Écoutez, je vais prendre la résurrection. On va plus en profiter. C'est vrai que vous êtes tous morts là, je crois. Et vous pouvez plus reparticiper une fois que vous êtes morts, c'est dégoûtant. On va faire un petit rituel de sacrifice. Non, attendez. Rituel de résurrection.
Ramène à la vie un adepte mort. Oh, il me faut un tout petit peu plus de trucs. Oh, merde. Oh, j'ai juste pas assez. Je suis dégoûtée. Bon, je vais essayer ça plutôt. On va économiser le rituel. Pour pouvoir vous résurrecter. Est-ce que je peux faire ces chiottes ou pas? Oh, j'en ai que 4, il en faut 5. Bon, je vais faire à bouffer. Attendez, c'est sale. Apparemment, c'est sale. Oh, ils sont trop mignons. Par contre, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'adeptes. Si vous pouviez un peu vous bouger le derche pour aller faire des trucs. J'espère que je pourrai résurrecter mes anciens adeptes. J'ai récolté un peu tôt. Viande fade. Dans la petite cuisine là. Ok. Je vais juste attendre que ça se soit fini d'être fini parce qu'il m'en faut qu'une. Et après, on fera des trucs. Non, merde, je me suis trompée. Ah, c'est long. Ah, ils ont tous vomi. Monde de dégueulasse. Ah, je fais à manger, on me vomit après littéralement dans ma cuisine, quoi. Ça me dégoûte un peu. Voilà. Je peux faire les toilettes. Bon voilà, j'allais dire, ils vont souvent dans ce coin-là pour chier. Bon bah voilà, hein. Je pensais pas aussi bien illustrer mon propos. Bon, je vais foutre ça là. Mais avant, vite, faut que je nettoie parce qu'ils vont tous venir là pour faire le truc. Ça va leur donner envie de vomir. Merci pour vos contributions au totem. Pousse pas trop loin les chaises, s'il te plaît, vu comment mon perso est vieux. J'ai peur qu'il arrive pas à temps. Oui, bah, de toute façon, les vieux, ils mangent plus. Non, j'en sais rien, mais j'ai l'impression des jeux. Les adeptes vieux, j'ai pas l'impression qu'ils mangent. Je suis ici à Kusake. Beaucoup de fleurs que l'on peut trouver dans les bois sombres. Pourriez-vous m'en cuire quelques-unes? Oui, oui, tu veux jeûner. Attends, j'en ai, tiens. Ah, faut que je collecte de maintenant, à partir de maintenant des camélias. Ok, parce que j'en ai full, hein. Bon, ça a l'air d'aller. Il y a juste ça, voilà. Ça me fait du fertilisant, mais c'est quand même chiant. Ok. Bon. Ouais, j'irais bien pêcher un peu aussi. Punaise, regardez, ils ont tous fait caca là alors que j'aurais fait des toilettes. Possible, hein? Elles sont déjà pleines les toilettes? Même pas. Ah si, il y a un caca. Récolté, j'ai jusqu'à 2 cacas de seulement dedans. Oh là là. Pas beaucoup, hein. Je voulais attendre avant de les récolter puisque j'ai l'impression que je les récolte trop tôt et qu'elle me donne pas de graines du coup. Voilà, je vais faire quelques plats. Et puis je vais partir, comme ça ils auront à manger. Ah, c'est risqué, je vais annuler. Merde. Je veux dire, c'est risqué parce qu'ils vont me chier partout, effectivement. J'ai beau avoir des toilettes, ils continuent de faire caca partout. Voilà, on va retourner dans un petit donge, là. J'espère que ça va aller, hein.
acheter des graines comme ça. Voilà, pas beaucoup, mais quelques-unes. Alors. Succulent bloc, c'est un rototo, je vous jure, me sacrifiez pas. Mais t'es même plus là, je vais essayer de te résurrecter. Fais vampirique, ça me donnait de la vie quand je t'apprête. Plus d'ichor. Ok, on va voir ce que c'est ça. Merci beaucoup pour vos contributions. Salut Scorm. Bon. On a du taf. Pas par là. Voilà. Ah, t'as fait ça? Ah ouais, d'accord. C'est rigolo. Oui, c'est ça. Je veux des os et un adepte. Voilà. En gros, c'est un peu... c'est un peu le rôle maintenant. Même plusieurs adeptes, en vrai. Il y avait moyen. Ce serait incroyable. Ah ouais, ils sautent tous dedans, c'est trop cool! Ok, deux choix bleu cipo, on va dans les deux. Ah! Révèle la carte, multiplie les dégâts de l'arme par 1,2. Je vais faire révèle la carte, parce que là, je veux... Remarque, c'est pas si intéressant, révèle la carte, en fait, parce que pour le moment, il n'y a pas non plus beaucoup, beaucoup de salles différentes, il y en a genre 4. Et elles sont toutes potentiellement intéressantes, donc bon, je sais pas. Les dots de poison restent pas tant qu'ils sont sortis de la zone en fait. Ils ont pas un dot une fois qu'ils passent dans la zone, ils en ont juste quand ils sont dedans pile poil. Pas sortis, ils l'ont plus. C'est bon à savoir. C'est quoi cette salle? Ah c'est ça, ah oui d'accord, c'est une salle de fin de d'étage quoi. Organisez votre ferme en plaçant le panneau près des parcelles, mais c'est très mignon ça. Cool déco. Oh, désolé, c'est pile poil là. Mais Camélia, mais j'en ai pas trouvé. Mais je te promets, je cherche. Oh, mais il me faut un adepte. Soit je fais ça pour la bouffe et les camélias. Soit je fais ça pour acheter des trucs. J'ai pas envie de dépenser mes sous. Ça, on sait pas. Ça, c'est un adepte. Je prends un adepte quand même, hein. J'en ai vraiment besoin. Tiens, là, il y en a des camélias. Je t'en ramène. Hop. Merde. Soul. Ah. J'essaie de faire des combos réussis, mais j'y arrive pas bien. Tu vois, ça arrive. Il me faut full os. J'en ai combien là? Il m'en faut 150. On devrait les avoir. Si je meurs pas. Mais si ça arrive.
Ah oui, c'est vrai, faut que je le secoure. Accueillez votre nouvelle recrue. Oui. Let's go. J'adore les panneaux, c'est très informatif. Ouais, c'est vindicatif, quoi. Les pièces des coffres sont placées par de la... remplacées par de la nourriture. Quoi ? Ça m'intéresse pas ? Ah ! Le chat ! C'est vous qui décidez de mon destin ! Je vais pas passer par là, tout à l'heure ça m'a envoyé jusqu'au boss direct, c'était chiant. Alors j'y vais pas, hein. Vous avez gagné une carte tarot grâce au chat, merci ! Ah oui, tout à l'heure c'est ce qu'il y avait. Je vais crever parce que je suis pas douée. Oh oui, merci. Oui. C'est bon, ça va mieux. Normalement, je vais avoir TK Media. Dedans aussi, moi je vais trop proche. Oh, un cœur. Ok, j'ai assez de camélia. Rien que pour toi, Kuzeke, je te ramène tes fleurs. Il n'a pas été prendre la carte, mais je l'ai pas vu. Je crois qu'elle allait être dans un coffre. Mais comment je la prends la carte? Parce que j'étais là quand il m'a dit vous avez gagné une carte. Ah non, elle était là. Oh putain. Pardon. Dégâts de poison. Ok. Pardon, je croyais qu'en fait ça allait être dans un prochain coffre, j'aurais la carte. Parce qu'on va trop vite dans ce jeu aussi. Ah, je peux acheter. Rigolo. Bon, moi ça m'empoisonne pas quand je suis là-dedans, hein. Comment ça, salope? On est d'accord, il a dit salopa? J'ai des os. Ah, mes fleurs. Merde, j'ai pas bien visé. J'ai mis le bazar dans sa boutique aussi. Je peux rien. Je fais toujours mes courses comme ça en fait. Oh, une arche de fleurs. En vigne tissée. On va faire. Eh, franchement, on va faire ça. C'est magnifique. Allez, je me dépêche, pardon. J'aime bien le bruit que ça fait quand je marche dans l'eau. Ma
Ah, j'ai fait à manger. Donc quand même, dites-vous le dire. Voilà. C'est quoi ça? Votre générosité a ses limites. Un petit cadeau permettant d'augmenter la fidélité d'un adepte. J'en gagne comme ça. Ça marche pas non plus à cause de l'adblock natif. Attends. Ah, mais Trapid, il n'arrive pas à jouer, c'est ça? J'ai pas suivi, hein. Mais non, mais Non, mais t'es sur Chrome Edge? Firefox? Sur Chrome, ça marche. T'as vraiment des problèmes étranges. Nap Royal! Non, c'est pas ça, c'est qu'il me dit, parce que vu que je fais pas à manger souvent, il me dit de vous dire que j'ai fait à manger. J'ai fait une qui. Voilà. Bon, je peux acheter des trucs. Multiplie les dégâts des magnifiques. Véritable beauté. Et celle qui vient du cœur. Fornéus. C'est quoi Fornéus? Un joli parterre de camélia. Mais trop bien ça, ce sera pour Kusake ça. Un demi-cœur. Ici? Ah oui. Ah merci. J'avais pas vu du tout. Génie. Et ça je peux prendre? Ah non, je paye pas pour ça. Non mais ça va pas non. Quoi, là, t'as fait à manger? Oui. Ça m'arrive des fois, hein, je le dis juste pas toujours à chaque fois. Hein. Bon, j'avoue, là, ça faisait un moment. Voyager. Ah, je vais direct au boss à chaque fois. Hein. Ouais, je pense. Je vois rien. Ok. Ouh, ça explose. Vache. Ça explose de partout, j'ai qui. Délatrice. Lame légère, conçue pour frapper à de multiples reprises. Elle est plus... Bah va plus vite, ça fait le même nombre de dégâts, donc je la prends. Ah, j'ai pas regardé l'autre truc. Je crois que je pouvais prendre les deux. Alors que non, ça c'est que au début. Une petite carte. Je suis sur Brave. Donc si je veux que ça marche, il faut que je change pour Chrome ou Firefox. Oui, bah comment ça se fait que pour Chrome ça marche pas? Vu que ça marche pour moi. Lorsqu'il reste plus qu'un demi-cœur, tous les ennemis reçoivent 2 de dégâts, 10% de chance d'infliger un coup critique. J'aime bien ça. Je viens de là, c'est en dessous où je peux pas aller, oui c'est ça. Mince. Mais non, mais il faut que je vise en fait. Bon, je vais arrêter ce truc. Pas fan, non. Voilà, là je le fais là. Ah mais bon, pour un truc qui peut aller dans le sol, c'est peut-être pas dingo dingue. Boss. Démon quoi? Démon Agares. Merde! Je croyais qu'il était plus proche que ça. Pas dans la zone. Mais tu voles, ça va rien te faire. Oui, bah oui. Laissez tous ces empoisonnés. J'ai vu tout ça.
Il revient pas tant que je les ai pas butés. Violon. Cela dit, ça me fait full os. Alors que je rentre, là, ça fait longtemps que je suis partie. Hein. Non, je mange pas ça. Non, j'ai qu'un micro. Super prudente. J'ai foncé dans un mob en disant ça. Dire entre un grand cadeau, des pierres ou de l'or. Évidemment, je prends juste le cadeau. Merci. Oh, un œil de démon. Regardez la tronche parce que je suis toute amochée. Ah, vous voyez pas. J'étais toute amochée. Du coup, regardez, il a une sale tronche un peu. Je pourrais peut-être rentrer à la maison. Vous pouvez avancer. Ah. Plus vous impendurez, plus grandes sont les récompenses. Attention, si vous n'avez pas le pouvoir de la couronne omniprésente, il vous faudra un téléporteur pour venir au culte. N'avancez que si vous acceptez d'abandonner votre culte un moment. Ouais, non, mais non. Je peux pas, hein. Je rentre là. Hein. On fera ça plus tard. Voilà. Merci pour la contribution. Merci pour le totem. Témoin Agares. Je cherche à lire comme si c'était du latin. Bah, Agares, ça me dit pas grand chose non plus en fait. Hein. J'ai dit quoi? Agares, peut-être j'ai dit. Que ce soit Agares ou Agares, bon, c'est pas. Ça n'a pas plus de sens quoi. J'ai dit merci! Oh merde! Putain, il est mort de vieillesse! Ah merde, non, je. Je voulais pas faire ça, je voulais enterrer un Fernalou. Oh tant pis. Oh là là, il me déteste tout ça. Attendez, on va faire full bouffe. Merde, j'ai raté un plat. Ah, mais arrête. Bon. C'est qui ça? Pourquoi je pourrais en pleine nuit? Enfin, plus tard. Ils ont pas fait caca? Oh là là, c'est en feu! Oh là là, faut que je fasse un truc! Allez! Non! Tiens tes fleurs! Voilà! Attendez, j'ai quelqu'un qui est sorti de la tombe. J'avais une tombe là.
Bon, la dévotion, ça va un petit peu mieux. Merci beaucoup. Il faudra... De la pierre, je prends la pierre. Bien. On va enrôler le nouveau, mais attendez, avant je fais des trucs. Faut que je reconstruise des trucs de récolte. Ah oui, il me faut ça aussi. Non, pas ça. Attends, c'était un autre truc. On verra ça. Faut que je fasse ça, il faut que j'en fasse un autre de pierre. Même si le bois, c'est plus important. D'ailleurs, celui de bois est plus cher que celui de pierre. Ok. Inspiration divine. Professionnel, c'est quoi? Écoutez les conversions dans votre tête pour augmenter leur fidélité. Oh, je vais prendre ça, ça a l'air trop marrant. Oui, oui, oui. Trop bien. Mais du coup, je peux plus récolter le caca dans les toilettes, on dirait. Cercle d'invocation démoniaque, j'ai déjà. Du coup, il y avait un truc qui me permettait d'envoyer des adeptes quelque part. Poste de mission, voilà. Je vais faire ça aussi. Je vais mettre ici, parce que c'est à côté des missions, du coup on met ça là. Voilà, ça me semble bien. Ensuite, je vais enrôler celui-ci. Yo Dalmir, je suis toujours vivant, tout à fait. Mais tu commences à vieillir. Je crois que c'est la première hantée qui a ressuscité. Mais comment elle peut ressusciter tout seul? J'ai même pas fait de rituel. D'ailleurs, on va le faire là. Avant toi, je te... Là, je vais voir s'il y a des gens qui peuvent participer au tirage. Sinon, tant pis, je fais moi. Attention. Bonsoir, Bitou. Mais bon, je pense que là, dans le chat, il y a plus grand monde qui peut participer au tirage, quoi. Mais n'hésitez pas, en tout cas. J'ai voté Lux TV, merci. Ah, j'ai voté ressuscité. Ah, mais moi, j'avais pas... Vous avez un vote? Vous avez ressuscité en mode témoignage? Mais c'est magnifique. Mais bordel, je savais même pas que vous pouviez voter. Je peux pas, moi. Oui, c'est normal, parce que t'es toujours dans... T'as déjà, en fait, un... Il y a déjà un Florian dans le... Dans mon truc. Bah là, dans le chat, à part Trapil, Lys, Talmir, Grision, Infernal Angelus, Antémonia, Florian, du coup, vous avez tous déjà votre adepte. Oh là là! Bonne nouvelle, oui. Par contre, ton personnage a peur de la mort. Voilà. C'est un nouveau trait de caractère. Oh là là, il y a deux participants incroyables. Attention, je vais lancer le tirage. J'ai pas de nouvelle tête d'adepte, ça c'est très dommage. Je vais aller en acheter une. Je brille un peu. Moi, il fait un petit peu chaud. La sexe sur TripAdvisor a noté une étoile. Comment ça? On prend rien à tout ça. Je vais t'expliquer, ma Gigi. En gros, c'est un jeu où on a son... On possède son propre culte, sa propre secte, en gros. Et c'est même au-delà de ça. Et du coup, on va avoir pour but de le faire prospérer, de le développer. D'acquérir de nouveaux adeptes et on pourrait dire d'appliquer des doctrines qu'on choisit en tant que guide suprême, quoi, en fonction de ce qu'on veut, des doctrines genre sur le cannibalisme, sur le je sais pas, le jeûne, ou au contraire les festins, des trucs comme ça, bref, des cannibalismes, qu'est-ce que je veux dire, des doctrines qui concernent plusieurs branches. Et et à côté de ça, pour faire progresser notre culte, et aussi pour looter des trucs, pour avoir des nouveaux adeptes, et faire avancer l'histoire, on va devoir parcourir des donjons, un peu à la manière d'un Binding of Isaac. Voilà. J'ai assez mal... Enfin, j'ai vu que je galérais un petit peu à expliquer, mais je pense que ça va. Par contre, Vendis, il va falloir que tu crées ton personnage. Je stream au son, je joue à côté. Mais je vénère toujours notre maîtresse, t'inquiète. Tu vas coincer. Je vais voir ça. Sinon, je vais faire annuler, hein. On t'est allé sur Genshin, évidemment. C'est fait. Ah. Ça n'a pas marché.
Ah oui, ça bug un peu là. Ah non, c'est bon. Oh, il est trop beau. Ok, c'est bon. Oui, il y a un petit bug. Il est trop joli. Travaille et génère de la dévotion 10 fois plus lentement. Ah, ça c'est chiant. 5% de 5 ou 2 fois en moins lorsqu'un adepte qui est sacrifié et génère de la dévotion plus lentement. Tu me sers à rien du tout. On va tenter d'améliorer ça. Je vais essayer de lui trouver quelque chose à faire du coup. Alors il est... Il prie mal, il travaille mal. Il aime pas qu'on fasse des sacrifices. Qu'est-ce qu'il aime, hein? Je l'envoyais en fermier, tiens. Ah oui, j'en ai un nouveau là. J'avais oublié. Et moi, Agarès. J'ai des nouvelles apparences? Oh, j'ai tout ça en fait. Si, j'en ai un peu. Oh là là! On a une tête d'araignée, quoi. En fait, si, j'en ai plein des nouvelles. Celui-là, je vais le laisser comme ça. Crédulité. Gagne des niveaux 15% plus rapidement. Des niveaux de... Ah oui, d'accord. Ah oui, j'ai une dévotion plus lentement. Oh, je sais pas. Mais il est trop mignon. Tu vois, je vais garder comme ça. Être sacrifié. Ouais, il aime pas être sacrifié, le type. C'est trop chaud. Je vais t'envoyer... Prier. Prier parce que plus personne ne prie, en fait. Ah là, la prière. Ah, c'est parce qu'il choisit son sac. Ok, ok. Bon, on a plein de choses à faire. Je vais faire à manger. J'ai déjà fait à manger. Construise tout, ça c'est cool. Par contre, il se trouve que c'est dégueu. Pourquoi c'est dégueu? Ah oui, d'accord, c'est tout dégueu, effectivement. Ok. Ça va mieux. Ici, je vais récolter tout ça. Ça va être chiant et non, mais je fais. Je vais pas replanter, par contre, ça, ils peuvent le faire eux-mêmes. Ah oui, j'ai des graines à remettre. Oups, il n'y a plus de graines dedans. Ah si, il y en a quand même. Voilà. Ah, Talmir, il va faire un petit peu le fermier. C'est très cool. Ça va être un peu long, mais... Il plante les graines une par une, mais il est trop content. Voilà, je veux faire que ceux qui sont top comme ça. Parce que ça veut dire qu'ils me donnent des graines. Une petite étoile. Voilà. Je vais refaire un petit peu à bouffer parce qu'il y en a quand même qu'on faim. Voilà. Je fais tout. Oh mince. J'ai pas fait gaffe. Par contre, personne qui bosse là-bas ? Est-ce que ce serait bien? Ah mais c'est qu'ils sont tous partis bouffer là. Du coup ils vont me faire full caca. Voilà, ça vaut le coup d'avoir foutu des toilettes. Mais faites pas caca direct dans la cuisine. Mais ils sont dégueulasses. Ils m'énervent. Oh, il a quoi? Recruter un adepte. Des adeptes âgés. Bah, je veux bien, mais c'est chiant. Et puis où est-ce que je vais trouver un adepte âgé? Ils sont toujours jeunes et fringants. Du coup, un témoignage, elle va susciter, alors elle est où? Ah, bah non, mais il arrive là. Ok. Bon, bah, salut, Grégre. Quel nom nul. Qui veut donner son nom à un adepte âgé? Trapil, c'est le moment vraiment de jouer. Je suis là. Tu t'es vu? Rapide, on t'a demandé. Ouais, là, c'est le moment de participer. Hein. Oui, apparemment, oui. Mais j'essaierai, je te ressusciterai si tu meurs, Pitou, je te promets. J'essaie de participer à ta deuxième partie. Let's go. Ouais, de luxe. Ouais, mais tu seras un tout vieux, c'est chiant. C'était pour Trapil. Mon copain rejoint la secte. Oh. Prochain vote pour ressusciter le chat. Ah, c'est des votes, putain, c'est trop bien. Par contre, il faudra vraiment que...
Cool, un tout vieux à sacrifier. Mais c'est plus intéressant de sacrifier quelqu'un qui est dans la secte depuis longtemps. On verra qui. Mais je sais pas si les, ceux qui sont sacrifiés peuvent être résurrectés. Je sais pas du tout. Oh, il est trop mignon. Pour moi, c'est réservé. Bah ouais, mais tu participes pas. Oh, le voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a comme truc ? 10% de fois en rejoignant le culte. Gagne des niveaux 15% plus lentement et génère de la dévotion plus lentement. Très bien ! Waouh ! On me complète mon honneur ! Ah ! Merci pour les contributions, même si ça met des chiffres. Ils prient tous, y'a personne qui est parti taffer. Ah si. Ah faut que je mette d'autres trucs pour taffer. Ah faut que j'envoie quelqu'un en mission. Attends, on va faire ça. Alors qui je peux envoyer en mission? Kuzake. Kuzake a un niveau élevé, donc ça c'est bien. Oh aussi un niveau élevé. Ils ont pas les mêmes stats. En bois, en pièces, en viande. Viande, c'est pas mal. On va prendre les premiers. J'ai envoyé Pitou en mission. Ouais. Kuzake, je vais le garder au cas où j'ai besoin de faire des trucs. Alors la viande, les pièces, les pierres. Attendez, non. Mais je peux rien te faire faire. Oui. Il me dit mon copain, fais-moi prier, génère plus de fois. Non, tu génères moins de fois, je crois. En plus. Non, non, tu as généré de la foi en rejoignant le culte, c'était ça ton buff. Ouais, j'envoie Pitou faire de la viande. On va voir ce que ça fait. Au revoir à tout à l'heure. Oui, bah oui, moi aussi déçu je suis. Je peux rien te faire faire. Je peux discuter. Je peux lire dans les pensées. Ah oui, faut que je fasse un petit peu de décoration aussi parce que mes adeptes... ont des bonus si je mets des décos. Avant, on va mettre ça. Waouh. Ah oui, moins 10 pièces. Y'a pas assez de lit pour tout le monde. Oui, bah 2 secondes en fait. 2 secondes. C'est quoi ça? Oh, des pièces, il me faut des pièces. Fait chier. J'ai pas des PO à transformer en pièces. Oh, j'ai pas les mots, ça m'énerve. Des pépites à transformer en pièces. Si, j'en ai. J'ai combien d'adeptes là? J'en ai 9. Ah oui, effectivement. Alors vite, un nouveau lit. Il me faut combien de pièces? Il me faut 20 pièces. Pas 20 pièces, non, c'est pas 20 pièces. Il me faut 10 pièces. J'en ai qu'une, ça va être long. Quoi que non, c'est 5 par 5. Y'a pas assez de lits. Oui, bah 2 secondes! Oh là là! Un sacrifice, moi. Ceux que tu transformes en bouffe sont perdus à jamais. J'en sais rien du tout. J'espère pas. J'avais pas pensé à ça. Oh, c'est possible. Ah bah du coup, faut pas que je fasse du cannibalisme, alors. Ou alors que du cannibalisme d'adeptes... On va voir. Bon, là je peux pas... attends, on va voir. Je peux faire un rituel où je... Voilà. Rituel de résurrection. Je vais tester. On va voir si ça peut résurrecter un autre adepte. Ah, je peux choisir. Oh non, mais c'est bon, ils sont pas perdus à jamais. Alors. Ah, mais si je les résurrecte, ils seront vieux ? Ah ouais. Ah mais résurrecter des vieux c'est pas intéressant. Bah attendez, je vais tester parce que je veux savoir. Mais ça m'arrange pas. Je vais voir si en te résurrectant. Ah ouais, ils sont pas vieux. Bon, je vais faire Infernal ou alors. Y'a pas assez de lits. Oui bah je vais en faire.
doctrine. Est-ce que je peux faire une nouvelle doctrine? Ouais. Let's go. On va faire sur les prières. Tiens, travail et prières. Analyse bac, poteau de caca. Rituel de l'édificateur. Débloque le rituel permettant d'achever instantanément la construction de toutes les structures de la base. Pas mal. Rituel de l'éveil. Débloque le rituel permettant d'augmenter de 20% la vitesse de génération de la dévotion à l'autel pendant 3 jours. Non. Édification. Ça me dit bien, parce que bah si j'avais su, je l'aurais utilisé en fait juste avant. Vu que j'avais fait 3 constructions qui étaient en cours. Je vais voir combien ils demandent ce rituel. 75, ah, quand même, ils sont chers hein, les rituels. Hein. Ok, bah, c'est bon. Bon, faut qu'on fasse des maisons. Hein. Pour ça, il faut des PO. Je vais bénir un petit peu les gens. Bonté, merci pour cette résurrection. Je t'en prie. N'oublie pas ça. Je t'ai résurrecté. Il y a plein de gens qui t'auraient pas forcément résurrecté. Ah, ils s'engueulent à moitié. Attends, petit Dan, je vais aussi te bénir. C'est quoi ça, emprisonner, faire un cadeau, dormir, machin? Faudrait que je fasse un cadeau aussi, des fois. Ah, il est trop content. Regardez tout ce qu'il m'offre. Merci. Ah, je l'ai résurrecté. Tu m'étonnes qu'il est content. Il est toujours mort. Mais t'inquiète pas. Je vais résurrecter du coup maintenant que je sais ça. Ça m'arrangera toujours forcément de résurrecter parce que comme ça, vous avez déjà du... Le verbe résurrecter ne doit pas du tout exister. Comme ça, vous avez déjà du... de la ferveur. Ça, c'est cool. Est-ce que les pièces sont faites? J'ai 15 pièces. Eh ben, on va pouvoir faire au moins une maison. Ah, il faut un sac de couchage à la base. Oh, je savais pas ça, je suis dégoûtée. Au pire, je fais 2 sacs de couchage. Est-ce que je peux en faire un autre? Bah évidemment que non. Ah, j'ai pas de bois, j'ai rien du tout quoi. Ah, si, là il y a des trucs. Kuzaki, il va faire caca, regardez. Ah oui, j'ai récolté instantanément. Je l'ai pris de ses fesses, le caca, quoi. Hop. Ok. Ah, j'ai 10 pièces. Attendez, je vais pouvoir faire un autre lit. Bah non, parce que j'ai pas assez de bois. Ah, mais on a du bois à couper. Pas trop. Pas trop, non. Y'a pas un arbre ici? Non, il a été coupé. Écoutez, je vais couper les petits trucs comme ça. Hein. Pas grave, de toute façon. T'as assez de bois là? Ouais. Et parce que à fin d'un jeu, du coup, il dort par terre. Il avait un lit avant. Son lit a été piqué depuis. Et je vais mettre pour Inferno Angelus ça. Comme ça peut-être qu'il va se lever et aller dormir dedans. Oui voilà. Sinon ça va leur faire, ça va me faire perdre de la dévotion. Il y a une nouvelle construction à la base de quoi? Ah non oui non mais non, c'est la nouvelle construction. Ah non j'ai des décos. Oh trop bien. Oh, on va mettre ça. Oh c'est très kitsch, j'adore. Et je peux mettre des petits parterres de fleurs. Je peux mettre ça où? Joli parterre de fleurs, mais ce sera vraiment joli ou pas? Je mettrais bien ça à côté du temple. Genre de parts et d'autres là. Voilà. Modifie une construction. Je vais virer ça. Ah, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Ok, ils ont l'air en santé. Ça a l'air d'aller. Est-ce que je leur fais à manger? Je fais un plat, parce que je veux que ça. Ils vont se le partager. On va peut-être aller juste un peu pêcher. Ça fait longtemps. Et que j'adore ça.
c'est pour ça que je fais. Bon, c'est pas grave. Vas-y, ça contribue au totem. Merci. Alors, qui voyage? Si on allait jouer aussi après. On va aller au chemin des pèlerins. Au chou, c'est là qu'a son mimi. Que nous réserve les cartes aujourd'hui? En tout cas, voilà ce que c'est que je t'ai réservé. J'ai pas de sous. Oh, je veux bien, mais j'ai pas de thunes. Oh, j'ai beaucoup moins de poissons, disons. Par contre, il y a un bateau, il y était avant. Crabe. J'avais jamais eu de crabe avant. Tiens. Oh, je reste un crabe. Mais bavé, j'ai bien cru que j'allais attraper une baleine. Ah oui. Bah ça va me permettre d'avoir un nouvel équipement. Ça va me permettre. Je vais me faire le fameux verbe permire. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Pire que d'habitude, quoi. Pas foufou tout ça. Un autre crabe. On va essayer d'avoir un tout gros. D'accord. Il réapparaît au fur et à mesure, c'est comme ça avant. Le verbe permitier enfin. Oui c'est vrai, c'est le verbe permitier. Il voulait pas de poupe, il voulait un autre truc. Ok. Il y a une nouvelle décoration à la base. Super. Et bah oui, c'est bien ça. Oh, encore un agneau de lumière. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était 7, voilà. C'est super. Ah non, c'est bon. Grand agneau de lumière, je vous implore de nous aider une fois de plus. Le phare est en piteux état, nous devons remplacer les cristaux qui réfléchissent la lumière vers la mer. Est-ce que ce serait possible? Pourriez-vous nous apporter des matériaux? Malheureusement, nous ignorons où ils se trouvent, mais si vous réussissez, nous vous ferons une généreuse offrande. Je m'en doute, hein. Mais déjà, je veux ça. Même si c'est vraiment pas grand chose. Ok. Mais ça va améliorer tout ce qui est tout le port et tout, c'est bien. Je vais pas aller prendre le bateau. Je suis sûre que je pourrai bientôt. Ah, je peux miner ça. Très bien. Rupture de stock, apparence adepte. Mais comment ça? Moi je veux une nouvelle. Bon, si, j'ai pas de sous. Ouais, mais ça, il y a des bleu partout. Et quand on le fait vite, ça fait brrr. Cabane solitaire. Un petit jeu avec lui. Je vais miser 5 pièces. Ça tombe bien, j'en ai que 6. Allons jouer au sleigh. Je m'en rappelle plus. Si, ça y est, je m'en rappelle. Ah, ça faisait longtemps.
mon 6. Je suis deg, deg, deg. Je défonce là. Non! Pas le meilleur choix. J'aurais peut-être dû le mettre à droite. Ça aurait été plus malin. Ouais, ça aurait été largement plus malin. J'ai gagné! Largement. Comme ça, je gagne un peu de PO. Je dirais que je manque de chance aujourd'hui. Peu importe, t'as bien joué. Merci, Brent! Y'a quoi par ici? Ah, c'est juste pour partir, ok. Petite partie, là. Un moment de 13, je suis trop forte. Vas-y, que me fait penser à Hearthstone. Ouais. Un petit peu, ou au Gwent. Infernal, où il veut me parler? Bah ça va là, ils se sont occupés d'eux-mêmes, là tout va bien. Ah, il est tout impatient, oui quoi. Non, du coup, s'il te plaît, dis que notre base est trop petite. Nous devons construire plus de choses pour célébrer votre toit. Si elle est... Oui, enfin, je veux bien. Ah, le rituel d'édification. Oui, d'accord. Pas de sous. Mais je vais pas avoir assez de bois et de thunes, hein. C'est joli un peu. Ok. Faut que je fasse des petits trucs comme d'hab là, inspirer un peu tout le monde. Voir si je peux effectuer un rituel, mais je crois que j'ai pas assez d'os. Hello silence! Voir si c'est pour éclairer les petits coraya dans leur état d'habitat naturel. Ça c'est ce que... oui. C'est ce qu'une de mes cousines croit en tout cas. Merci pour vos co-tribes! C'est trop cool! Non mais j'avais toujours pas trouvé où elle était. On va faire un petit sermon. Là on est bien. Là on est bien là. Là franchement on est bien. Ah. Augmente le niveau de base de vos armes lorsque vous entrez dans un donjon. Ah, c'est super. C'est juste génial en fait. C'est juste fantastique. La dévotion ? Vous avez vu ça ? Vous êtes trop dévoué. Rituel ? Ah ouais, mais ça j'aurais bien faire ce rituel là, mais je peux pas, ça demande trop de trucs. Je peux faire le feu de joie, mais on fera ça plus tard si on a besoin de dévotion. Les doctrines, c'est mes nouvelles doctrines. Voilà. Revenu. Alors Pitou, c'est pas passé? Et j'ai terminé ma mission. Je vous ai apporté une offrande. J'ai réussi à trouver 17 viandes et 8 autres viandes. C'est vrai que j'avais demandé de faire ça. Je vais en envoyer un autre. Oh mais là il est tout fatigué, il va se coucher. Je vais envoyer quelqu'un qui a un niveau élevé. Hanté je pense. Hanté elle est à niveau élevé. Hein. Je vais envoyer chercher des pièces. Ah non, je vais chercher quelqu'un qui a beaucoup de possibilités de trouver des pièces.
moment, c'est Hanté ou... Ouais, c'est Hanté. Hanté ou Kusake ? Je vais rester sur ma première idée sur Hanté. Mais ça, c'est des pièces, Hanté ! J'ai besoin de toi ! Je vais l'envoyer dodo parce qu'il est tout fatigué. Parce que je pense qu'il ira pas dodo si je l'envoie dodo. Merci beaucoup, Gilo ! Voilà. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à vous. Level 6. Oui, mais après, je regardais les pourcentages. Mais effectivement, toi, t'es le plus haut level, je crois. D'ailleurs, je vais... Ah non, c'est bon, je t'ai béni. Ah, je suis pas béni, t'as le meilleur. Merci beaucoup, j'espère que ça a été. T'étais sur quoi, petit Gilo? Sur... sur Rainbow Six aussi? Ah, aussi, comme la dernière fois, quoi. Pas du tout. Merci, merci, c'est très gentil. N'hésitez pas à aller follow Gilo si vous la connaissez pas. Elle est fantastique. J'ai béni tout le monde là, d'accord. Oui, ouais, le luxe aussi. Non, c'est bon. Ah, par contre, il commence à avoir faim, donc je vais récolter la bouffe maintenant. Et je vais avoir moins de graines. Oh, j'en ai quand même. Ça, je récolte, mais je m'en fiche. J'ai 10 adeptes, c'est vachement bien. Je passe mon temps à casser tous mes jeux, Lox. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est parce que t'es trop forte, le jeu ne prévoit pas tout ce que tu penses. Si, si, je connais Gilo. Gilo, c'est vrai ça que les gens avec qui tu m'arrêtes te connaissent? Je sais pas, on me dit des trucs là à l'oreille. Je vais faire des plats de bas. Et je vais faire des plats de viande. Et oui, ça c'est bien ça. 15% de chance que l'adepte ait envie d'aller aux toilettes immédiatement. Ou bah ça c'est tout le temps. Hein. Quelle différence ça ferait? Voilà. Full plate. On va pouvoir aussi débloquer un queutru. Donc c'est génial. Et la petite Anne. Déjà qu'il y a des soucis. Ah non, c'est parce qu'au contraire, elle a un niveau supplémentaire. Bon, ils sont tous partis bouffer avant. Hein? Il y a une araignée qui porte un caca? Hé! Eh, il y a une araignée qui porte un caca! Putain! L'araignée, elle emportait un caca! Mi-mouche, mi-araignée? Mais qu'est-ce que c'était que ça? Vous avez vu? Il y a une araignée qui a volé un caca! Mais c'est fou ça! Vraiment une lubie avec les cacas, hein. Ok, du coup ils sont tout bien là. Alors, ce que je peux... De toute façon il me faut des pièces donc j'étais obligée de repartir en mission. Merci petit bitou. Merci beaucoup. Merci pour les 100 bits. C'est adorable, merci vraiment. Poste de soins. Pour le moment j'en ai pas besoin mais ce sera peut-être... Silo à fertilisant. Oh ouais, ça serait bien ça. Attendez. Il y avait plusieurs trucs qu'il fallait que je construise et que j'ai pas fait, donc je vais regarder avant. Décoration basique. J'ai pas pris? Oh, mais je veux des décorations basiques, moi! Maintenant, les décorations font partie de mon culte. Donc je prends. J'ai encore une amélioration? Ah, c'est bon. Bon, est-ce que je peux... Je vais déjà pouvoir faire une maison, je pense. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà. Je leur... Bon, leur cache des zoubis. Je sais pas pourquoi, mais je fonctionne. Il ne fonctionne plus. Et après... Il ne fonctionne plus après. Bref, pas contente. J'ai pas pu jouer à ce que je voulais ce soir. En ce moment, j'ai vraiment beaucoup de bugs sur des trucs, donc je comprends. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Pitou. Si tu veux utiliser tes bits, à bon escient. Merci vraiment. Sur l'écran, tu vas avoir... quand tu mets ta souris sur l'écran, tu vas avoir des petits carrés à droite de l'écran. Et tu vas avoir Sound Alert. Et si tu veux, pour, tu peux choisir le son que ça joue quand tu donnes des bits. Voilà. Parce que c'est une extension Twitch, donc ça fonctionne comme ça. Et comme ça, du coup, si tu as envie de mettre des sons plus particuliers, il y en a. Il y a un choix limité, mais il y en a. Merci beaucoup, c'est adorable, Florian. Merci. Merci pour le totem. On en est où du totem? Ah, on est bientôt. Bon, ils sont tout contents, ils sont heureux. Merci, merci. Merci beaucoup. Faut envoyer quelqu'un d'autre en mission ou pas? Non. J'ai pas l'impression. Elle peut revenir avec 28 à 52 pièces. Ça, c'est super bien. En vrai, c'est super bien. J'ai pas fait de sermon. On va faire un sermon tout de suite. Maintenant qu'on est 10 adeptes, je vais pouvoir aller dans une autre partie du donjon. Je crois. Donc c'est bien. Couronne, est-ce que je peux faire un nouvel... Ouais, on va faire une nouvelle doctrine. Maintien de l'ordre, tiens. Respect des lois ou le respect de la foi? Nul n'est libre de tout péché, réduit la perte de foi lorsqu'un adepte innocent est emprisonné. Ok, ça peut être pratique. Absolution, la liberté avant tout, 10%, 10 plus 10 de fois pour chaque jour sans prisonnier. C'est mieux, parce qu'il y a beaucoup plus de temps où il n'y a pas de prisonnier. Merci Vitou. Voilà, c'est exactement ça. Bon, ça c'était un son qu'on m'avait demandé de mettre, qu'on avait pris de moi quand je jouais, c'est ma voix quoi. Salut Ego, comment va? On va prendre ça, parce qu'évidemment... Évidemment, on est beaucoup plus souvent sans prisonnier, quoi. Merci beaucoup, Florian, merci. Et je peux faire un rituel, du coup? Non, toujours pas. Toujours pas, j'ai pas de d'os. Parce que j'ai résurrecté aussi. Donc c'est pas grave. Oh, il y a un caca dans... Qui fait un caca dans le temple? Je vais vous éclater, hein. Putain, ils font caca dans le temple. Caca dans le temple. Choutri. Voilà. Mais un plat ici, donc ça veut dire qu'ils sont pas fins s'ils en ont laissé un. Je prends un cadeau aussi un peu là. Il va tout tester, je sens. Merci beaucoup. Je ferai un cadeau. Cadeau permettant d'augmenter la foi. C'est grand cadeau. Oh, je veux voir ce que ça fait un grand cadeau, si ça augmente beaucoup la foi. Ok. C'est moi qui veux me parler? C'est pour ça que ça fait un ou pas du tout? Non, c'est juste qu'ils discutent. Ah, il va me falloir des pièces, hein. On va faire une petite mission. Hein. Bon, les deux autres, je vais pas les couper, hein, ils discutent et quand on les coupe, ils font la gueule après. Parce que ouais, je pense que quand on va aller au donjon, on va prendre des poteaux. On va prendre un... On va transformer l'un de vous en démon pour qu'il m'accompagne. Ok, parti faire caca. Oh, ça c'est bien ça. Bon, je récolte tout. On va rester une petite journée ici. Faut que je fasse le rituel d'édification, mais j'ai pas assez d'os, donc on fera ça après. Faut que j'apporte des cristaux au gardien du phare, et ça je sais pas du tout les trouver. J'ai pris 500 bits, on peut pas envoyer 500 en même temps? Si si, bien sûr, tu peux mettre la somme que tu veux, je crois. Après les bits, j'en ai jamais fait. Du coup, bah, j'avoue que je ne suis même pas sûre de comment ça se passe. Quand tu fais les sons personnalisés, non, parce que c'est une somme limitée, quoi.
Mais effectivement, mais merci encore, petit Florian. Mais sinon, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, quand tu fais des tons de bits comme les premiers que t'as fait, normalement tu choisis la somme, non? Mais voilà, je dis ça, je... C'est pas toujours très bien foutu Twitch, très, très clair en tout cas sur certains points comme ça, donc ça se voit peut-être pas en fait. J'imagine que ça te met 100 de base. On propose 100 ou 1000, pas 500. Tu peux modifier, je pense. Je sais juste pas comment. On propose de tuer quelqu'un pour avoir des nounous. Non, ça me donnera pas de nounous, je crois, ou très peu. Ça me donnera de la foi, par contre. Mais là, j'en ai pas besoin. Donc je vais réserver ce rituel pour un autre moment. En tout cas, nettoyer là, non? Non? Ah non, c'est bon. Ok, j'ai fait à bouffer. Je vais refaire encore un petit plat ou deux, peut-être. Voilà, 3. Et puis on est bon, on va pouvoir partir un peu en explo. Je vais transformer l'un de vous en créature. Oh ouais, cool, le truc Twitch. Eh ben de la bidoche, super. Bien. Il y en a beaucoup? Ouais, il y en a beaucoup, hein. C'est vraiment bien ça. Oh, tout ce qu'on a en viande du coup grâce à ça. Tiens, deux très bons plats de viande. Je vérifie qu'il n'y ait pas de caca partout. Non, c'est bon. Juste à regarder en haut. Et on va, du coup, je vais vous invoquer en démon. Ça va être facile. Ah, avant! Avant, parce que ça met du temps. On va convertir du bois ou de la pierre. Moi, j'ai beaucoup de pierres, donc on va faire les pierres. Je vais faire des trucs comme ça. Voilà. Ensuite. Place. Attaque au corps à corps, l'ennemi le plus proche. Oh, la nuit plus proche. J'octroie un demi-cœur spirituel au début du donjon. Sympa. Tac au corps à corps. Ah, mais c'est pas mal parce qu'il est très haut niveau. Donc je vais tester celui-là, je pense. Ça, c'est ce que j'ai testé la dernière fois. Récupère de la ferveur, ça m'intéresse moyen. On va tester ça parce qu'il est niveau 6. Du coup, ça veut dire qu'il fera 6 pour 6 dégâts en plus. Donc c'est énorme. Je comprends rien à Twitch. J'avoue, j'ai jamais testé Pitou. Du coup, désolé. Mais normalement, tu peux modifier la somme. Et je pense que c'est comme dans les prédictions, c'est-à-dire que c'est pas clair du tout. Ok. On va partir en explo. Le camp va très bien. C'est le moment d'y aller. Ah, le chat décide de mon destin. D'accord, j'attends. C'est à vous de décider. On va peut-être arrêter la V2 maintenant, limite. La VOD. Au revoir, VOD, bisous! On verra ce que le Twitch m'a réservé. Bye bye!